Tout le monde se rassemble autour de ces victimes climatiques d'un nouveau genre, des familles qui ont tout perdu et dont bon nombre sont mes amis. Quand on a subi un choc, on se retrousse les manches et on fait ensemble. Dans ce paysage de désolation, l'action collective devient une puissante machine qui réchauffe les cœurs et répare les corps, à moins que ce ne soit le contraire. A-t-on forcément besoin d'une catastrophe pour faire ensemble? Il me suffit de regarder autour de moi pour me rendre compte que partout, chaque jour, la société civile réinvente le lien social. Ici, là ou ailleurs, émergent des zones de gratuité, des habitats collectifs, des jardins partagés ou des monnaies locales qui, au-delà de leurs bienfaits, sont de puissants vecteurs de proximité.